Salut tout le monde, bienvenue dans le 27e épisode de Track Day. Aujourd'hui, c'est un gros monstre américain, un V8 vrombissant de 350 chevaux qui va nous intéresser. Il s'agit bien sûr de la Mercury Cougar de 1967, édition spéciale Dan Gurney, disponible en mode dans la description, je vous le rappelle. Cette voiture est vraiment intéressante à piloter, c'est un mode très bien fait, très joli, très particulier. Les détails sont vraiment poussés jusqu'au bout, vous allez le voir dans certains plans que j'ai fait lors de ce tournage d'épisode. La particularité de ces voitures, c'est que c'était vraiment léger, mais avec un gros moteur qui fonctionnait très bien. Ça avait beaucoup de couple, ce genre de moteur. Et ici, on est sur une boîte 4 vitesses qui développe 350 chevaux. Le modèle est une édition spéciale Dan Gurney. Alors, Dan Gurney, pour les plus jeunes, qui sait, eh bien, c'est un pilote américain qui a remporté quelques épreuves dans sa carrière. Il est très reconnu, notamment une victoire aux 24 heures du Mans, si je ne dis pas de bêtises, fin des années 60, ou déjà début des années 70, 67, 68, si je ne dis pas trop de bêtises, à vérifier. En tout cas, ce garçon-là a longtemps piloté pour des marques américaines. Il a piloté pour Ford, etc. Et aujourd'hui, à 84 ans, eh bien, il se retraite. En tout cas, si vous souhaitez revivre les plus belles années de l'époque de la Transam et de ses courses sur Willow Spring, Laguna Seca, etc., avec ce genre de voiture, c'est un mode vraiment sympa. Je l'ai testé sur le Mugello parce que je voulais voir un petit peu ce qu'avait la voiture sous le capot dans la grande ligne droite, et je n'ai pas été déçu. Un comportement vraiment vraiment sympathique et un mode bien réalisé. Vous connaissez la tradition, pour profiter de la suite de cette démonstration, montez le son.